Bonjour les fines bouches. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va suivre les recommandations de Marcel Proust. On va aller à la recherche du pain perdu. Alors, de quoi avons-nous besoin pour faire du pain perdu? Pas grand-chose. On a tout ça à la maison. Du pain un peu dur. On se dit, soit on va le donner aux poules, mais quand tu habites à Paris, les poules. Donc, tu fais du pain perdu à la maison. Tu le tranches 2 cm à peu près. Des œufs, un peu de sucre, du beurre. Moi, je mets de la fleur d'oranger. On peut mettre ce qu'on veut d'autre, mais parfumé aux fleurs d'oranger, c'est très bon. Du lait et un peu de sucre glace à la fin pour décorer. Comment on fait? Action. On prend une assiette creuse ou on y met dedans les œufs. Le sucre, le lait et de la fleur d'oranger, l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. Voilà. On mélange tout ça. Ça sent bon l'orange, hein. Une fois que c'est bien mélangé, on va mettre nos morceaux de pain dedans, à tremper. 1 ou 2 minutes minimum. On va après les retourner et ensuite on va les mettre à égoutter. Donc on se retrouve dans quelques minutes quand les morceaux de pain sont prêts à être égouttés. A tout de suite. Voilà les amis, le pain, donc je l'ai mis à tremper à peu près 3 minutes de chaque côté. Puis je l'ai mis à égoutter, 2 minutes. Là, je fais chauffer une poêle avec du beurre, pas mal de beurre, parce que le beurre va être bu par le pain. Donc, voilà, et dès que ça commence, avant que ça colore, on y met le pain dedans. Voyez-vous ? Là, au début, il se cherche un peu, hein. Il est un peu perdu, mais il va trouver son chemin, vous inquiétez pas. On va laisser dorer 1 minute 30, 2 minutes par face. Gilbert, elle a l'air content. Alors, fait que c'est pas trop mal. Voilà les amis, le pain est cuit. On le dispose donc sur une assiette. Hein, et on vient, comme dirait l'autre, y apposer du sucre glace. C'est autant pour la déco que pour le goût. Hein. Voilà, pain perdu, vite fait, bien fait. Super. Voilà les amis, en dessert, à 4 heures, pour les enfants, ça vaut toutes les viennoiseries qu'on achète dans les boulangeries, les pâtisseries et autres. Alors, pain perdu, c'est économique. Le pain, on ne le jette pas. On le mange. Alors, comme disait mon ami espagnol, olé. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes, à vos verres de lait et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?